Là, actuellement, on est considéré comme des administratifs, comme des bibliothécaires, alors qu'on va sur le terrain, on est parfois seul et on n'est pas armé. Donc on est en situation de danger puisqu'on est identifié comme des policiers. On a aussi des contraintes exceptionnelles. On a des collègues qui peuvent faire une semaine d'astreinte consécutive et ne pas dormir plus de 3 heures pendant 7 nuits. Et alors qu'ils travaillent la journée. Et ça, c'est devenu vraiment insupportable d'être considéré comme du personnel sédentaire, alors que notre métier ne l'est pas du tout. En fait, ils sont sur un statut d'aide technique de laboratoire qui date des années 90, qui n'a pas évolué depuis, alors que leur emploi a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ils sont présents sur quasiment toutes les affaires, du cambriolage à l'attentat terroriste. Et il y a un risque, il y a une pénibilité, il y a une dangerosité qui n'est pas reconnue par le ministère de l'Intérieur.